Alors aujourd'hui, c'est tous les ateliers découvertes. Donc on a 9 ateliers différents, autant la salle que la cuisine et les cours généraux. Donc on a une visite du campus. Ils ont 3 ateliers en cuisine, un chaud, un froid. Et alors on a un poste boucherie pour voir vraiment toute la viande. On a 3 ateliers en salle, le pliage aux serviettes, le barman, le fromage, avec les différentes associations pour le fromage. Et le quatrième, parce qu'on en a 4, c'est la crêpe Suzette. Durant cette journée, les jeunes découvrent aussi les cours généraux, tels que les langues ou la philosophie. Alors après cette journée-ci, ils vont devoir s'inscrire. On va former des équipes, 2 en salle, 2 en cuisine. Alors chaque équipe va être coachée par un élève de l'école. Et en plus, au niveau de la cuisine, ils vont être coachés. Donc 2 équipes vont être coachées par un chef. On a déjà entre autres Olivier Bruckner, nous avons Laurent Montois, Yves Bitewier et on est encore en recherche d'un quatrième coach. Et au niveau de la salle, nous allons bosser avec Sergio Pezzoli, champion du monde de barman. Nous allons avoir Arnaud de Skepper qui va être un des jurys mais qui est maître d'hôtel et directeur de salle au Beaux-Arts, restaurant étoilé à Bruxelles. Et ils vont venir s'entraîner 2 journées. Une expérience qui suscite parfois des vocations. Oui, on a eu l'année passée 6 élèves qui se sont inscrits en 3e et qui sont très ravis et qui sont heureux de voir chaque année ici, cette année-ci. Ils sont contents de revoir les profs et de revoir leur école qui viennent et de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont passés en 4e. C'est le cas de Célestin et Gennaro qui ont tous les deux intégré les rangs de l'école hôtelière. Il y a 3 ans, j'ai fait les jeunes talents en herbe en 2e année. Au début, je préférais la cuisine. Pendant les jeunes talents, j'ai fait la cuisine. Et après, je suis donc venu ici en 3e, je suis arrivé l'année passée. Donc j'ai fait mon parcours et donc cette année, je commence en 4e. Là, pour l'instant, je préfère un peu plus la salle. J'adorais la cuisine et quand j'ai appris qu'il y avait le concours, ça m'a donné tout de suite envie de le faire. Et ça m'a aussi aidé à savoir ce que je voulais faire plus tard. En salle aussi, on m'apprend beaucoup de choses, les différents types de services, comment servir, c'est super important, voilà. Moi et la salle, c'est ce qui me plaît le plus pour le moment.